So you're here, Gitaru Man. Release Ben K. Sir! Là, on est dans Dark Souls. Enfin, non, c'est pas Dark Souls, c'est Dark Cloud. Ça faisait très Dark Cloud. Zéro de jam, jamais testé, mais je connais de nom. En fait, Mika, c'est ça le problème, c'est que les jeux de rythme, faut être dedans pour bien jouer. Parce que perso, moi, il y a encore une semaine, je faisais que de la merde. Le problème, c'est que quand je joue pas un jeu de rythme pendant longtemps, quand j'y reviens, c'est horrible. Et là, tu vois, récemment, je jouais très mal au jeu de rythme. J'ai joué à Bank Dream sur mobile. Et du coup, là, je suis bien dans le délire jeu de rythme. Et tu vois, là, je me débrouille bien sur Guitar Woman. Et je pense que c'est grâce à Bank Dream qui m'a aidé à avoir des petits réflexes avant de... Parce qu'après, c'est une question de réflexe. Hein. Quand tu te démerdes bien sur un jeu de rythme, si tu gardes le rythme, normalement, tu l'assures à peu près. Enfin, quoi que ça dépend. Hein. Normalement, tu te débrouilles bien sur tous les jeux à peu près. Le problème, c'est que moi, perso, j'arrête de jouer au jeu de rythme pendant un petit temps. Je reprends, c'est atroce. Hein. Oh là, shit. En fait, c'est qu'un niveau défense, quoi. C'est horrible. On va gérer. Fou! Oh les enculés, c'est vicieux ça! Oh là là! Oh là 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 là! Ouf! Allez, dites-moi que c'est fini, j'ai peur. Oh là 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 là. Oh, c'est pas passé loin. Oh non, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Franchement, c'était super chaud. Oh, c'était horrible. Oh, c'était trop chaud. Là, c'était chaud. Là, ouais, c'était hardcore. Il y aurait eu une dernière phase, je me serais fait niquer. Oh, alors là, Coléo, il serait hors course depuis longtemps. Imaginez si mes touches ne marchaient toujours pas. Ah merde, attendez, j'ai mon... Oh, c'est bon. Hop. Imaginez la difficulté au-dessus. Ah non, mais ouais. Mais je compte pas faire le genre difficile, hein. Salut Yuzu. C'est bon, après cette phase, je crois que tu peux y aller, hein, là. Ah, ce jeu ne finit pas de m'étonner. Il y a des trophées sur PSP. Non, il n'y en a pas. Pas de trophées sur PSP. Bon, normalement, ce niveau sera plus simple que le celui d'avant, je suppose. Le celui d'avant, il était vraiment horrible. Avec le requin, là. C'était atroce. En plus, c'était même pas de la musique, c'est de la cacophonie le bordel avec le rock. Putain, on dirait un niveau de Ratchet & Clank 2. Ah non, un virage top point, casse-toi. Reggae style, ah bah là. C'est très détente après le niveau qu'on vient de se faire là. Pour le moment, c'est la musique que j'aime le moins. Look over there!
tu vois, Mika, moi, ce truc-là, j'avais complètement zappé ce niveau. I'm tired. Oh, s'il vous plaît, plus de niveau avec le requin, tout mais pas ça. J'avais souvenir que le jeu sur PSP, ce qui était horrible aussi, c'est que le stick PSP est pas agréable au doigt. Et du coup, je me souviens que de devoir maintenir le stick dans un sens, c'est vraiment pas agréable pour le doigt. Là, vous voyez, je joue avec une manette PS4, c'est pas du tout gênant. Come down. Merde. C'est dommage, je crois que c'est ma seule erreur de la musique. Si je dis pas de conneries. Look over there. Ah, c'est ça, le stick sur PSP il était atroce. Et je trouve qu'il glissait, alors pourtant il y avait des trucs un peu rugueux dessus exprès pour le faire en sorte, mais ça faisait mal aux doigts là. Non, c'est le stick PSP était dégueu. Après, ce qui était cool avec, c'était pas le sentiment que tu pouvais le casser. Alors que la 3DS, c'était autre chose déjà. Allez, on va essayer de l'avoir. Putain, ce niveau est long pour rien, en plus il est pas amusant. Je crois qu'après c'est le niveau où j'ai galéré quand j'étais sur PSP. Je sais que celui de la PSP, le truc part, ça se remplace facilement. Par contre, la 6DS. Surtout que le stick PSP, vraiment, j'ai jamais eu le sentiment que je pouvais le casser. Alors que sur 3DS, bah, ça m'était arrivé quoi. Salut Akito, je sais pas ça, je vais venir, tu vas marcher, comment tu peux zapper ça? Bah, je sais pas, non, ce passage là, marrant, il m'y avait pas marqué. Attendez, j'ai des commentaires sur YouTube, je suppose que c'est encore sur la vidéo que j'ai mis tout à l'heure. Hein. Décidément, les gens, il faut faire les vidéos comme ça pour vous les. Attendez, genre un truc de seconde. Ok, on est bon. Allez, on va y aller. Oh, salut, me décidément, bah, tout le monde arrive là, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous quittez le live à Coléo pour venir ici? Vous avez enfin fait une bonne action aujourd'hui? Vous inquiétez pas, on s'éclate bien, on est sur Guitaroman. Si on finit le jeu très tôt, on essaiera le mode difficile après si on en débloque un. Hein. Allez, niveau suivant. Merde, apparemment, ma connexion est un peu dégueu. Bon, tant pis. On continue, maintenant qu'on a lancé. What's that? I am Prince Zoe of the Gravillion. You may hand over your guitar to me. Huh? That is the legendary last guitar I have been searching for all my life. Don't give it to him, you one! Oh, of course not! Very well. Our empire is beginning its conquest of the universe. I'll start out with you, weaklings. You cannot possibly defeat me. Not in a million billion years. Stupid Dan! Tu viens en You have been warned. Stupid Dan! Why is it that everywhere we go, the same kind of jerks say the same kind of things? Always making fun of me! That's why Puma. Huh? Puma? Non, musique toute douce.
Je sais pas si c'est du troll ou pas, Kid. Here I am, old timer, against my will. So where on this rock would you be? Hmm? What? Non, ouais, le scénario il est ouf, hein. Le méchant, on dirait Zamasu avec une peau blanche. Oh, tu trouves? Oh oui, je me rappelle de cette musique à la Steam. Pico? Alors là, il trouve l'alter ego de la meuf qu'il a envie de ken. My name's Kira. What are you doing here? What are you doing here? Well, I just found this here and Can you sit down there? Sure. Vas-y, tu vas la pécho, vas-y. So who is this Pico? Oh, just an old flame. I envy you. Love is something I can never hope for. Never? Oh, don't worry about it. I just came out for a walk to see the moon. But then I heard that. Oh, this. Yeah, somehow I seem to be okay with this thing. Hmm? You're good. Normalement, la musique, elle est stylée. La musique est grave bien. Et tant mieux, parce qu'avec ce qu'on vient d'avoir comme phase, c'était... Il fallait quelque chose pour rattraper. Pour une fois, ce n'est pas un combat qu'on va mener contre un ennemi, mais c'est un combat qu'on va mener... Pour l'amour, pour le cœur d'une jeune demoiselle, pour sa chatte. Oh shit, oh non, je la rate, putain dégueu. La ceinture de chasteté ne nous résistera pas. On gagne la tête, on gagne la tête contre l'épaule. Alors si après ça il ken pas, je sais pas ce qu'il faut là. Si après ça il nique pas là, je sais pas ce qu'il faut faire. Là elles sont vraiment toutes trop difficiles. Oh yes. Salut Advelcap. Oh yes. Ça joue à ça au lieu de spam Bandori. Alors qu'il y a le nouvel event qui est sorti. Sérieux, il y a le nouvel event? Bah il attendra hein. Oh le chapeau du héros. Ouais, qu'il est pas mal son petit chapeau là-haut, que le béret, il est stylé. Et c'est un bon béret. Allez, musique suivante, celle-là était vraiment bien. Celle-là, oh putain, il y a des musiques vraiment vraiment bien dans le jeu. Ce petit air est devenu une berceuse. Pourquoi? La voix du chanteur était tout mielée d'amour.